Exercice de rythme, fiche 5, numéro 5 et 5, pardon, qui était à faire pendant les vacances. Nous ne ferons pas le frappé puisque là je ne peux pas le faire en classe, vraiment des choses qu'on a besoin de faire en visuel et donc on va l'oublier pendant le confinement, on reverra ça à la rentrée. On va surtout s'occuper de lire avec les notes et la pulsation. J'ai bien insisté en classe, le doigt qui marche sur les petits traits. Donc je vais réexpliquer pour tout le monde. Donc cet exercice-là, mais je crois que j'ai mis une vidéo de mémoire, je suis en train de me rappeler. Cet exercice-là, donc, on doit combiner les deux signes musicaux que l'on voit, à savoir le nom de la note, donc ici ce sont des do par exemple, mais aussi les rythmes que l'on voit, la noire ou alors les deux croches. Donc si on fait ce petit exercice en faisant les mots que nous prenions avant les vacances, à savoir noir, deux croches, noir, ça peut donc devenir avec les petits mots vus dans la leçon. Je sais plus, enfin la vie d'une vidéo précédente, je crois que c'est la vidéo 4. On va remplacer par ta et ta dit, ça va faire ta, ta, dit, ta. Donc je dois toujours entendre ce rythme, mais avec les notes qui sont indiquées. Donc do, 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 do. Ensuite, ta, ta, dit, ta, qui devient mi, 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 do, etc. Donc je me rappelle avoir fait une vidéo, donc je ne vais pas m'éterniser, je vais vous le faire en entier pour que vous voyez à peu près ce que doit faire votre enfant, sans aller forcément trop vite. 1, 2. Do, 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 do. Mi, 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 do. Mi, do, mi, do, mi, mi. Do, do, mi, do, mi. Sol, 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 sol. Sol, mi, sol, mi, do. Donc vous pouvez déjà prendre un petit peu de temps pour bien remettre ça en place s'il faut. Et ensuite, faire le numéro 6, c'est exactement le même principe, sauf que c'est un autre exercice, donc avec les rythmes écrits dans un ordre différent et des notes différentes. Donc là, j'ai mélangé un peu plus volontairement les notes. J'ai également mis les pulsations, donc vous pourrez les recopier. Vous pouvez les faire d'abord par votre enfant tout seul et ensuite vérifier. Sachant toujours la même chose, une noire égale une pulsation. Hein. Sous la noire, vous avez une seule pulsation. Et quand on a deux croches, c'est la première. Alors, mon ordinateur n'est pas forcément pile poil, mais c'est la première des deux croches qui est frappée, donc sous laquelle il y a la pulsation. Donc, toujours pareil, on peut décortiquer par petits bouts. Faire d'abord avec les petits mots. Ta, 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 di, ta. Après, je prends le temps de vérifier les notes. Do, ré, mi, ré, do. C'est un aller-retour. C'est ce qu'on travaille dans la récitation. Et donc, une fois que j'ai bien vu ça, je colle les deux, ce qui va faire ta, 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 di, ta, qui devient do, ré, mi, ré, do. Je continue, ainsi de suite, on peut fragmenter, faire une section un peu plus grande, faire ça par exemple plusieurs fois, puis faire ça, c'est pas obligé de faire tout dans la même journée, il faut vraiment doser. L'idée c'est qu'il faut que vous voyez que votre enfant y arrive et progresse. Si toute la ligne c'est trop long, et bien on en fait moins, mais on le fait bien, et puis la fois d'après, on en fera un peu plus. Je vous lis maintenant l'exercice tout entier. Voilà le résultat final que j'aimerais obtenir. 1, 2. Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, ré. Mi, ré, ré. Do, do, do. À vous de jouer!